You may have already learned about direct object pronouns in French. They are pronouns, meaning they replace something. Let's look at these direct object pronouns. Me, te, le, la, nous, vous, et les. It is important to understand that le, la, et les can represent people, him, her, them, or objects, like the chair, the desk, the lamp. Le, la, les. So they can also mean it. En français, l'ordre, the order, l'ordre dans la phrase est très différent de l'anglais. En français, on met le sujet, puis l'objet, et puis le verbe. Sujet, objet, verbe. Comme ça, Pierre me regarde. En anglais, on dit Pierre is watching me, et l'objet, c'est à la fin. Je le regarde. I am watching him. Vous nous regardez. Y'all are watching us. C'est très important que, au présent, dans une phrase, vous avez sujet, objet et verbe. Quand vous avez une phrase au négatif, c'est un peu différent. Vous avez le sujet, objet et verbe dans la même place, mais vous avez ne et pas aussi. Ne et pas sont autour, around, le verbe conjugué, mais l'objet précède le verbe. Regardez. Pierre ne me regarde pas. Sujet, objet, verbe. Mais aussi, nous avons ne et pas autour du verbe conjugué. Je ne le regarde pas. Sujet, objet, verbe. Ne et pas autour du verbe. Vous ne nous regardez pas. Sujet, objet, verbe. Et ne et pas autour du verbe conjugué. Mais notre leçon dans le chapitre 6, c'est pour les objets indirects. C'est un peu différent. Vous trouverez cette leçon à la page 204 dans le livre. Je pense que c'est très important que vous ouvriez vos livres à la page 204 et regardiez la leçon avant de regarder cette vidéo. C'est aussi une très bonne idée de prendre des notes. Alors, les objets indirects. Pourquoi est-ce qu'ils sont différents des objets directs? Les objets indirects sont différents parce qu'il y a « à » plus une personne. Alors, les objets indirects sont les mêmes. « Me »,« te »,« nous » et « vous ». Celles qui sont différentes sont « lui » et « leur ». Nous n'avons pas le, la et les pour les objets indirects, mais plutôt lui et leur. Him or her, them. Mais l'ordre dans la phrase est la même que pour les objets directs. Sujet, objet, verbe. S-O-V. Par exemple, Pierre me parle. Pierre is talking to me. To me is the reason that we use an indirect object pronoun versus a direct object pronoun. In the previous example, Pierre is looking at me. Pierre is talking to me. Pierre me parle. Je lui parle. I am talking to him or to her. We use the same word, so context would be the determiner of whether it was him or her. Vous leur parlez. Y'all are talking to them. Au négatif, c'est la même chose. Sujet, objet, verbe. Mais le ne et pas sont autour du verbe et de l'objet. Pierre ne me parle pas. Je ne lui parle pas. Vous ne leur parlez pas. Comment est-ce que vous allez savoir si vous devez utiliser un objet direct ou indirect? C'est très facile. Si vous avez un verbe qui est suivi, followed, suivi d'un « à », vous devez utiliser les objets indirects. Alors, c'est très important d'identifier les verbes qui prennent « à ». Voilà quelques exemples. Demander à, donner à, envoyer à, montrer à, parler à, poser une question à, prêter à, et téléphoner à. Cette liste se trouve à la page 205 dans le livre.
Il y a d'autres verbes aussi, mais nous allons nous concentrer sur ces verbes pour maintenant.